Hey! Salut tout le monde, The Great Merlin est ici, et aujourd'hui nous sommes de retour dans notre jeu préféré, Subnautica. Donc, si je résume les épisodes précédents, nous avons exploré l'Aurora, de là nous avons vu qu'il nous manquait quelques outils pour l'explorer vraiment comme il faut, et surtout pour réparer les dégâts. Nous avons fait notre sous-marin, notre petit Simote, et nous avons découvert une île que nous avons exploré de fond en comble. Aujourd'hui, nos objectifs sont 1. Construire une base avant toute chose. 2. Explorer pour créer un canon à propulsion pour pouvoir explorer l'Aurora et le réparer. Et 3. Bah on verra en fonction en fait, hein, tout simplement. Écouter les messages qui jalonnent notre aventure. Et d'ailleurs, en parlant de messages, on en a déjà un qui nous attend. Yoki Kassar. I said Kassar. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA. Voilà, donc ce que je propose, c'est construire notre petite base et puis aller voir ça, hein. Mais disons qu'en général, tout va de pair. Il faut que je stocke des trucs. Il faut que je mange aussi. Pourquoi j'ai pris tout ça? J'ai plus rien à boire, j'ai plus rien à manger. Avant toute chose, je vais chercher à boire, je vais chercher à manger. Je vais stocker des ressources. Et puis je suis à vous, hein. Vous savez comment ça fonctionne, plus besoin de vous montrer. On peut faire des ellipses maintenant. Plus tard. Bon, il faut aussi construire des espaces de stockage. Oh, ils sont de retour, eux. Ah! Saloperie. Il est beau, mon sous-marin. Mais j'en ai marre, laissez-moi tranquille. Mon sous-marin a une petite fuite. On va le réparer. Qu'est-ce qu'il me faut pour construire un bâtiment? Juste du titane. Bon, voilà ce qu'on va faire. Vu que j'ai plus de place dans mes bazars, on va vite construire le début de notre base. Il me faut du plomb aussi, du titane et du plomb. Plus tard. Évidemment, je n'ai pas de plomb. Plus tard. Je vais le mettre à côté. Voilà. Comme ça, ici, je stocke mes trucs casse-couilles. Nous allons chercher du plomb. Welcome aboard, Captain. Merci, bonjour Freda. Encore plus tard. Voilà, le plomb, ça sera plus dans cette zone-ci. Ah! On est dans la Mushroom Forest, je crois que ça s'appelle. Voilà, du plomb. Évidemment, il me faut deux plombs. J'ai un plomb et je trouve plein d'argent. Et vous allez voir que le jour où je cherche de l'argent, je trouverai pas d'argent. Mais du plomb. Du plomb, est-ce qu'il peut encore y avoir du plomb? Vous avez vu ça comme c'est beau? C'est flippant, mais c'est beau. C'est inoffensif, ces trucs-là. Ne vous inquiétez pas. Ah! Mais quel con, hein, évidemment, hein, putain! Ça fout les boules, hein, comment ça crie? Oh, j'ai cru que c'était dehors, un enfant qui pleurait, ou mon chat. C'est ça, hein? On va faire notre base. Ah, encore un petit... Ouh. Oh, putain, ils sont en train de se bastonner. Ça, c'est intéressant. Vous avez vu ça? Il fait aucun dégât ce truc en fait. Et il y a une épave. Bon, je fais tout en même temps, hein, mais j'avais dit exploration, hein. On va aller voir ce qu'il y a dans cette épave-ci. Ah, nickel, je l'ai pas encore exploré. Ce serait génial de tomber sur le canon à répulsion. Comme ça, on pourrait directement aller à côté, quoi. De l'eau, ce coup. Non. Non. Ok les gars, bah voilà, hein, on va peut-être pas devoir tant explorer que ça. Il me faudrait le cutter laser. Hein. Ça c'est pour réparer, c'est pas le cutter laser. Voilà. Il me faudrait le cutter laser. Mais, nouvel objectif. Donc on va faire notre petite base et puis on va faire notre petit canon à propulsion. Coucou Elvis. Mais donc ça veut dire une chose, ça veut dire que de 1 je peux faire ma base
Et de deux, je peux retourner à l'Aurora direct après. C'est formidable. La grande question qui se pose, c'est où est-ce que je vais installer ma petite base? Le mieux, c'est toujours près d'un grand vide. J'aime bien parce que c'est assez dégagé ici. Bon, allez, on va faire dans ce coin-ci. D'abord, réparer un peu mon véhicule, là, parce qu'il s'en est pris plein la gueule. C'est parti. Alors... fondation... ah, je suis pas tout à fait décidé encore, hein. En soi, je peux la construire un peu comme je veux, ça qui est cool. Bon, allez, on va faire ça, là, comme ça. Ah, merde. Voilà. Et ensuite... quoi, comme ça. C'est qu'un premier bâtiment, hein. C'est le début de la base. Good. Alors évidemment, maintenant, il faut une écoutille. Moi, il me faut du quartz. Il me faut du quartz. Et il me faut... de quoi créer des panneaux solaires. Je fais un petit arrêt pour écouter le message, tant que j'y suis. This is Sunbeam. You know Aurora. We're from a little transgov on the far side of Andromeda, and we have a saying there. There's no bad without the good, no good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former, but that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Les secours se rapprochent. Bon, il me faut du quartz. Et à manger. Plus tard. Vous allez rire, je sais déjà plus où j'ai mis ma base. Oh, déjà, plus tard. Du quartz, il doit y en avoir ici quelque part. Ah ! Putain, je suis un peu tendu quand je joue à ce jeu, là. Toujours plus tard. J'aimerais bien retourner à ma base. Je sais plus où je l'ai mis. Ah putain, j'ai fait le tour de mon bocal et ça y est, j'ai oublié. Plus tard. Évidemment que je sais où est ma base, hein. Je suis pas débile. Hein. Vous croyez quoi que... oula. Que... que je suis perdu, que je vais me perdre. Que je sais pas où est ma base. Voilà, elle est là la base. Je vous avais dit que je savais très bien où elle était. Well, well, well. Petit écoutille. Je me trompe dans les touches. Nickel. Et alors, ça sert à rien de rentrer tout de suite. Quoi, j'ai plus de titane, c'est une blague. Putain. Plus tard. J'ai pris mon poster. Ouais. Et il faut bien que je boive, hein. On va créer. Ah putain, il me faut du cuivre aussi. J'ai bien fait de le prendre, hein, n'empêche. Sinon, je me serais bien retrouvé con. Encore un. Ah, j'ai assez de cuivre, mais pas assez de titane, tiens. Oh merde, hein, c'est ma pauvre. Hein. Aïe. Crétin. Bon, j'ai plus assez de quartz, mais c'est pas grave. Hop. Emergency power only. Oxygen production offline. Ah bah ouais, il faut du soleil, crétin. Bon, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir créer un casier. Cool. Ah. Power restored. All primary systems online. Et voilà, on peut tout stocker. Je vais encore créer des casiers. Alors, maintenant que j'ai créé des casiers, je vais transférer tous mes brawls de mon ancienne base jusqu'à ici. Seulement, il faudrait que je me fabrique, pour que ma base soit vraiment pratique, un fabricateur, une radio, ça va aller très vite ça, un fabricateur de kits médicaux. Ça, ce serait bien à fabriquer aussi un bac à culture d'intérieur. D'ailleurs, ça, je peux le construire tout de suite. Il faut juste que j'aille chercher du titane. Donc, une petite ellipse, je vais chercher tous mes bazars. Comme ça, j'aurai déjà de la nourriture à l'infini. Ça, c'est top.
J'ai parfaitement Patrick, le droit de faire tu une fais pause. Ton boulot maintenant. En fait, j'ai plus de titane. Putain, mais le gars, il te disait que tu auras le faire. Welcome aboard, Captain. Merci, Freda. Freda est partout. Elle est formidable. C'est ici, ça va être une partie du jeu. C'est ici que le jeu va vraiment devenir passionnant, je trouve. Donc, mes deux objectifs, une fois que j'ai vidé tous mes bazars, c'est fabricateur et canon à répulsion. Propulsion, enfin, peu importe. Mais d'abord, on va planter des pommes de terre. Comme ça, je suis plus obligé de manger du poisson. Maintenant, mes objectifs sont construire ça. Il faut juste que je transforme l'autre bazar en titane. Construire ça, il faut juste que je transforme l'autre bazar en titane. Donc on va déjà construire le truc pour les messages. C'est une bonne chose de faite. Haha. On va le mettre là. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il me faut de l'or, du titane, échantillon de corail plat. Ah, mais en fait, j'ai quasiment tout. Ah bah si c'est comme ça, moi je me casse. Comme ça. Bon, on retourne à la base. Et en fait, c'est la dernière fois que je vais à la base. Enfin, à la base, là. Après, j'aurai plus besoin de cet endroit-là. Puisque les messages apparaîtront dans ma nouvelle base. Et que je vais pouvoir me faire un fabricateur en deux. Plus tard. Allez, salut petit pod, tu es trop petit pour moi. Il est temps de penser plus grand. Le petit oisillon prend son envol. Voilà. Moi je ne suis pas comédienne, je suis Rebecca, secrétaire. Tu te calmes. Ouais. Le fabricateur, on va le mettre. Mais pourquoi je peux pas le mettre là? J'ai tout, ouais. Je peux pas le mettre là. Ah. 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 Là, je peux pas, mais là, je peux. On va le mettre là. Nickel. Ensuite, nous allons faire un petit peu de titane. Ok, super. Et maintenant, nous allons pouvoir... faut que je pense à un endroit où je vais mettre mon lit aussi, hein. On va le mettre... C'est une base provisoire, hein. Je vais la réorganiser correctement plus tard. On va mettre ça là. Nickel. Et on va planter des pétotes. Ça et ça. Super. Hop. Hop, hop. On va aussi remettre du melon marbré, là. Voilà. Et voilà. Ah, c'est parti. Bouffe infinie. Ok, super. Alors, qu'est-ce que je dois construire d'autre avec ça? Ça, j'ai... Ça, c'est plus compliqué. C'est pas urgent. Ça, j'ai pas les ingrédients, donc ce serait bien de trouver. Très bien. Eh bien, premier objectif rempli. On fait une pause bouffe et on attaque la suite du programme. Eh bien voilà, c'était The Great Merlin qui jouait à Subnautica. N'hésitez pas à lâcher un like si vous avez bien aimé, à laisser des commentaires, à liker Facebook, Instagram, Twitter, tout ça, tout ça. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de nos aventures aquatiques. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager la vidéo si vous avez bien aimé. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits cocos. Parce que comme je vous ai dit, il y a une créature qui s'appelle... Il est là, il est là, il est là.